Dans ce film, vous jouez tous deux un couple qui se rencontre en vacances. Ne trouvez-vous pas que la différence d'âge dans un couple est un problème au cinéma ? Tout d'abord, dans ce film, j'interprète un homme d'une cinquantaine d'années et Mélissa joue une jeune femme de 20 ans. Voilà, donc la différence n'est pas si grande que ça. Oui. Et puis, c'est justifié, oui, c'est écrit dans le scénario. C'est écrit dans le scénario, oui. Il y a quand même beaucoup de scènes d'amour dans ce film. Est-ce que ça a été difficile à tourner ? Non, parce qu'avec le réalisateur, qui est un vieil ami, nous avons vraiment pris soin de choisir une jeune comédienne qui n'avait pas de problème avec ce type de scène. Oui, enfin, moi, en fait, j'en ai tout de suite parlé à mon copain, parce que c'est vrai qu'on a commencé à travailler ces scènes difficiles dès le casting, oui, en fait. Oui. Mais bon, en même temps, voilà, c'était le premier rôle que j'avais au cinéma, donc j'étais assez honorée, puis quand même, avec Jean-Marie, qui a une carrière... Enfin, je regardais ses films quand j'étais petite, donc voilà. Non, mais du coup, j'étais quand même flattée de travailler avec lui. Et c'est vrai que Jean-Marie m'a aidée à construire ses scènes, à voir comment on traduit cet amour, comment s'embrasser, s'étreindre, se goûter... On compte quand même dans ce film 25 minutes de dialogue et 60 minutes de sexe. Vous trouvez pas ça disproportionné ? Non, parce que c'est encore une fois l'histoire d'une passion, c'est normal. Puis dans le scénario, il y a beaucoup de passion. Comme les scènes de massage nu. Oui, voilà, il y a eu quelques scènes de... Les scènes de sexe avec ses amis. Voilà, il y a aussi eu et du dialogue aussi, et des scènes d'émotion. Beaucoup d'émotions, notamment la scène des caresses dans la douche. Yes, oui. Ouais. Le doggy. Le doggy. Doggy. Oui. Je crois qu'on a fait le tour. Des scènes de fellation aussi, très bien. Non, il n'y a pas eu de scène de... Ça, si, très, très bien exécutées, mais parce que ce sont les scènes qu'on a tournées. Oui, il y en a eu, je me souviens. Et qui n'ont pas forcément été gardées au montage. Voilà, il y a eu beaucoup de scènes qu'on a tournées, qui ont été coupées. Vraiment beaucoup d'ailleurs. Beaucoup, oui, beaucoup. La scène avec le radiateur, rappelle-toi, et le vieux chien. Oui, je me souviens. Mais c'est justifié dans le scénario. Voilà, c'est justifié, c'est... Qui a écrit le scénario ? Alors, c'est un jeune scénariste... Qui l'a adapté d'un roman. Que j'ai écrit. Et quelle est votre actualité dans les mois à venir ? J'ai de grands projets, mais que j'ai dû malheureusement mettre en attente, car jusqu'en 2020, à cause d'une sombre histoire de thalasso, je séjournerai en prison.